Salutations les petits amis YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans Thief Simulator épisode 4 et aujourd'hui on va essayer de prendre encore plus d'infos sur les gens, d'essayer de voler encore plus de choses et de cette fois-ci de pas bah, peut-être moins se faire voir hein, parce que la dernière fois. Alors on a le 113 certes à aller faire mais on a aussi les tableaux à aller voler si on peut y aller. Comme ça on vole les tableaux et on accepte les missions après. Alors sachant que la 109, 110, 111. Il a l'air de pas avoir trop de monde, ça pourrait être intéressant d'aller y passer. Juste histoire de s'échauffer quoi on va dire. Hop. On va la mettre comme ça la bagnole. Prête à repartir. Voilà. Tu dois l'arrêter la voiture pour sortir. Bah elle a arrêté la voiture. Qu'est-ce que tu m'embêtes? Ok, donc ça c'est la maison qu'on faisait que cambrioler au début, je crois. Reprenons les bases. Et voyons déjà. Si on n'a pas perdu la main, parce que bon. Ok, fenêtre bloquée. Par où est-ce qu'on rentre ici? Par la porte, c'est la maison où j'ai la porte? Ah non. D'accord. C'est fait. Il s'est racheté des casseroles. Bon, c'est petit loot, mais c'est toujours ça. Le grille-pain, le fameux grille-pain. Ok, c'est la maison d'échauffement, donc bon, on verra bien plus tard. Ok. Là, qu'est-ce qu'ici y a quelque chose? Non. Un peu de sous peut-être? Non, toujours pas. Après je pourrais faire ces maisons juste en prenant que le fric. Hein. C'est pas ma mission principale. Ouais bon il y avait rien en plus dans cette baraque. J'espère que ça m'a pas consommé mon crochet. Théoriquement non mais bon. Je peux grimper par là? Ouais voilà. Ta ta la ta ta. Ta la ta ta. Voilà. Déjà, on peut ranger ça. Je vais même laisser un crochet simple, enfin même deux crochets simples dans la voiture, j'en ai pas forcément besoin forcément sur moi quoi. C'est quand même. Je crois même que j'en ai acheté un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Hop là. Donc là c'était la maison 109. La maison 110, on s'en fout un peu, je crois. On va aller voir vite fait. Mais je crois que c'est là où on avait volé le carton, où il y avait des gens, etc. Donc ça risque d'être un peu la merde, quelque part. Ou c'est la maison 111, je sais plus. Je ne sais plus. Comment on rentre ici? Ah bah là ils ont mis des protections aux fenêtres, donc ça va être un petit peu compliqué. Ouais, c'était la fameuse maison où j'avais galéré pour voir les gens, etc. Bon, on va, c'est pas notre mission principale. On va reprendre la voiture et aller au 113. On a déjà piqué des trucs, c'est déjà pas mal. Alors, en route vers le 113. Allez, allez, tu peux monter la butte de la voiture. Non, tu peux pas. Ok. C'est. Voiture avec un moteur en carton. Voilà. Alors, le 113, c'est par là-bas. Hop, on va éviter d'écraser les gens quand même. Là, 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 là. On voit que le 111 est ouvert aussi. Ça pourrait être intéressant. Je crois que j'avais un tableau à voler là-dedans. Bon, bref. C'est pas la mission du jour. Là, il y a un parking. Donc, a priori, j'ai le droit de me garer là. On me dira rien, quoi. Quand il y a du monde à la 113, ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier. Hop. C'est là le parking. Voilà, là, à première vue, j'ai le droit de me garer. On me dira. Ah, bah non, il est là le parking. Voilà, je gare ma voiture. Pour moi, ma voiture n'est pas. Comment dirais-je? N'est pas suspecte quoi. Bref, hop là, c'est pas du tout suspect un mec qui attend pendant je sais pas combien de temps dans sa voiture. Donc au 113, il y a encore beaucoup de monde qui regarde. À première vue, la maison, ils viennent tous visiter les chiottes. Donc on va aller voir. Hop là, bah, on peut ah. Au 111 voir s'il y a les occupants. Ils ont rajouté des ferrailles aux fenêtres, mais a priori, il n'y a personne. On va vérifier quand même qu'il n'y a personne avant de crocheter. Ok, a priori il n'y a personne. Donc, puisqu'on peut pas faire, on va faire ça. Hop. Bon.
plus vers là alors. Non plus. Voilà. Bonjour. Ah voilà. Hop. Il y a toujours rien dans ces tiroirs. Toujours de la bière de partout. Non. On va refermer hein, comme si on n'était pas passé. La télé, oui, mais non. Ça m'intéresse pas plus que ça pour le moment. Hop. Il n'y a pas un micro-ondes, sérieux? Voilà. Bon, encore, ouais, j'en ai marre de voler des pots. Hein. On va pas surcharger non plus en pots. Il y a que dalle en fait dans cette baraque. Ok, bon, bah au pire je peux prendre embarquer une télé. Ah putain, il y a quelqu'un qui est en train de passer. Faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse gaffe. Oh bah une radio, pourquoi pas. Ça se vend bien, je crois. Ok, je pourrais embarquer la télé. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent par là? Non, a priori lui il s'en va. On va embarquer la télé. Parce que pourquoi pas. Hop. Ce mec il peut pas ouvrir une porte et porter une télé en même temps. Merde, y'a quelqu'un qui arrive. Hop. Pose la télé. Ferme la porte. On va voir ce qu'il fait là le mec, mais je pense qu'il va arriver par là. On n'a pas d'autre endroit pour partir ici, donc on va attendre. On va attendre, il faut être patient. On va être patient. Ok, après avoir attendu les 5 ou 6 passants qui sont passés, on va attendre le dernier qui passe. Normalement, oh putain, il y en a un autre qui repop. T'es sérieux? Bon, on va pouvoir se dépêcher, du coup, on va prendre le risque. Hop, hop, on se casse. Essaye de courir si tu peux. Et la télé, je sais que c'est pas vraiment pratique. Hop, 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 hop. On n'est pas vu, on n'est pas vu, on n'est pas vu. Hop, on va dans l'autre passe. On sort bien du sang, de son angle de vision. Voilà. Ok. La 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 la. Allez, range ça. Tu fais quelque chose de louche. Ouais, ranger une télé, c'est quelque chose de louche. Sans déconner. Bon, enfin bref. Ok, donc ça c'est fait. C'est déjà pas mal. On va aller poser aussi ce que j'ai récupéré. Je sais pas si j'ai récupéré beaucoup de trucs dedans. Dans la maison, du coup. Je ne crois pas. Ah si, la radio, je l'avais oublié. Ok. Bon, bah écoutez, le reste, ça a l'air d'être bon. Ok, hop. Je sais toujours pas comment on passe du temps dans la bagnole. C'est plutôt problématique. Et maintenant, il faudrait quand même faire la mission du 113, quoi. C'est bien beau, mais j'arrive pas à la faire, quoi, cette mission. Comment ça? Ah. On a repéré une intrusion. Ok, il me faut un endroit pour me cacher très vite. Là, il y a les flics qui arrivent. Je sais pas pourquoi. Donc c'est mon autre... merde, là, il y a quelqu'un. Ok, je suis un peu dans la merde, là. Bonjour, monsieur. Oui, je fais mon jogging. Je suis loin. Théoriquement, ils peuvent pas m'avoir vu, quand même. Hop... Il me faudra un lit pour me cacher. Il me faudra un lit pour me cacher. Ah, une poubelle, ça marche. Hop. Cache-toi. Allez, cache-toi dans la poubelle avec les ordures. Et on va attendre que ça passe. Hein. On a que ça à faire de toute façon. Ce moment de stress, je suis entouré par les flics avec des voitures de flics de partout. Et il y a un embouteillage après avoir vu sur les voitures de flics là-bas. Mais bon, je suis patient. Hein. Tant pis, hein. On va attendre, hein. Ils vont bien finir par se barrer de toute façon. Puis bon, ils ont pas la supervision pour voir. Ma voiture est bien garée, donc ils peuvent pas non plus, voilà quoi, deviner que c'est ça. Donc on va attendre. On va attendre, on va attendre. Ça risque d'être long. Ah bah, on a vu, c'est fini. Ah, c'est cool ça. Bon, il y a quelqu'un qui est en train de passer là, on va attendre qu'il parte. Allez. Me dis pas que tu viens poser une poubelle, sinon je vais m'énerver. T'es censé faire du jogging, cours, cours, cours. Ouais, hop, on va se barrer, hop. Ok. Bon, au moins on a évité les flics, c'est déjà ça. Alors ensuite, la maison 112, j'avais un truc à y faire à la maison 112, mais je me souviens plus quoi. Et en même temps, il y a what milliards de monde ici. Je sais pas s'il faudrait pas mieux que je revienne la nuit quand même. Parce que ça va pas quoi cette histoire. Ou alors que je revienne à un moment où ils y sont pas là, les mecs du 113, parce que tout ça pour casser des chiottes, quoi. Oula, je peux pas te taguer, toi? Pas d'habitude découverte. Bah si, regarde. Jardin et chambre. Ok, bon, on voit qu'ils sont là de toute façon pendant encore de nombreuses heures.
On va se taper un aller-retour à la maison. On aura quand même fait un petit cambriolage, on aura gagné des choses, peut-être que je vais gagner des points de compétence en plus. Ce qui pourrait être cool, et puis je peux aller revendre la télé au prêteur sur gage, ce qui sera déjà quelques thunes en plus aussi. Et ma foi, si j'ai des thunes après, pourquoi pas bah, finir par acheter ces astuces sur le 113 que je voulais pas acheter, mais bon, tant pis quoi. Boutique de prêteur. Eh, mine de rien, 40 $, hein, la vieille télé. Bon. Ah, j'ai oublié de prendre les trucs dans ma caisse. Oh là. Hop, j'avais piqué quelques autres trucs aussi. Les casseroles, le pot, le grille-pain. La radio, je crois que j'en ai besoin pour une quête. Donc on va la garder. Le vieux grille-pain, je pense pas. Après, je peux me tromper, mais... Mais la radio, je crois que je l'ai déjà faite en plus, la quête de la radio. Donc bon. C'est... Enfin bref, j'ai tout ce que je voulais, c'est déjà ça, on retourne à la maison, en mode barbare. Ouais, j'ai oublié de fermer le coffre, mais c'est pas grave. Bon, puisque personne ne veut de mes loot, on va tout aller revendre. Ouais, 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 la radio, c'est dommage parce que je pensais que ça allait valoir quelque chose. 46 quand même, ligne fixe, une clé USB, pourquoi pas. Ok, je pourrais en avoir besoin. Ah, ok, je pourrais en avoir besoin. Je pense que c'est les dialogues à la con du mec, au pire je les revolerai. Hein. Ça me fait des thunes, et c'est quand même le but. Là, c'est la nuit, c'est cool. On va peut-être pouvoir retourner dans... comment ça s'appelle ? Dans la rue, et avoir un petit peu moins de monde. Et j'arrive, c'est le matin. Ok. Bon. Faudrait vraiment faire cette quête de casser les chiottes. Là, c'est... Ah. C'est pas par là que je veux aller. Demi-tour. C'est par là. Faut que je chope des vases, d'après ce que j'ai vu. Faut que je chope des choses. Mais bon. Hop, on conduit comme un fou, ouais. On s'en fout, là il y a le parking, il est où le parking? Ah bah il est là. Oh, $1 de réparation, t'es sérieux. Je me gare comme un connard à la lyonnaise. Je prends 8 places. Hop. Ouais, on va faire un joli créneau quand même. Ah, c'est la nuit. Ouais, pour le créneau, on repassera. Hein. C'est pas top non plus. Mais bon, c'est pas dégueu. Allez, bref, on n'est pas là pour faire des créneaux, de toute manière. On est là pour aller casser ces putains de chiottes. Ah, là, je les vois en surbrillance, c'est cool. Ah, mais je sais qu'ils sont là, de toute façon, donc faut que j'attende. Et on se retrouve dans la même problématique que tout à l'heure, quoi. Il y a toujours pas... Ouais, je sais toujours pas comment on passe du temps... dans la voiture, parce qu'ils me disent bien dormir dans la voiture, dans les parkings pour passer le temps. Ah, mais c'est peut-être dans les parkings que j'ai cette option. On va aller voir. Là, je suis dans le parking. Hop. Hop, rentrer. Dors dans la voiture, ok. On va dormir 2 heures dans la voiture. Voir ce qui se passe. Ok, sort. Voilà, 2 heures plus tard, est-ce qu'ils sont toujours chez eux, les gens? Merde, quelqu'un qui me voit là. Mais ils sont toujours chez eux. Ok, donc je peux franchement passer beaucoup de temps en fait. Hop. Hop. Dormir. Ah, il ouvre la fenêtre pour dormir. Je sais pas moi, on va mettre 18 h. Putain, que gros flemmard quand même. En termes d'heure. Hein. 4 h de l'après-midi, ils sont peut-être pas chez eux là. D'accord, il y a quelqu'un qui m'a vu, je ne sais pas pourquoi. Ok. Bon, ils sont toujours chez eux? Non mais c'est pas possible. Bon, donc c'est avant. C'est avant, donc on va recommencer. Ok. Ok, donc à 10 h du mat, à première vue, on sait pas où ils sont, mais il y a des chances qu'ils soient pas là. Ok, donc on va éviter là de se faire voir. L'agilité, je l'ai pas. Il y a quelqu'un qui arrive, il y a 2 personnes qui arrivent, on va se barrer par là. Pas se faire voir. Voilà, tranquille. Non, ça fait pas 3 jours que je dors dans le parking à côté. Il y a bien du monde au 113, bordel. Ils font chier. Hein. Ils font vraiment chier, quoi. Hop. On voit pas, on va attendre que lui passe. Je sais pas comment. Non, mais sérieux, je suis dans son dos. Comment il me voit, là?
À la limite, si le mec en face il me voit, je peux comprendre, mais. Ok, là normalement c'est bon. Ok, me dis pas qu'ils vont rentrer chez eux entre temps parce que je sens que je vais m'énerver. Casser leur toilette, ouais, bah oui, c'est ce que j'essaye de faire depuis je sais pas combien de temps. Ok, donc là je viens de passer, y'a personne. Là, a priori, y'a personne chez eux. Ouais, allez, on se dépêche. D'accord. Merde. Voilà, quand même. Ok. Ok. Ouf, on est dedans. Ouais, alors maintenant. La fenêtre est bloquée, ok. Là, on ne voit pas. Ok, il y a une fenêtre qui est ouverte. Parfait. Voilà, je suis dans la maison. Enfin, et je suis dans la bonne maison en plus. Ok, pas de sous. Ça, c'est toujours bon à prendre. Réveil, j'ai pas à le prendre. Oh, la clé de la porte d'entrée, ça je prends. Ça pourra vraiment servir. Ok, y'a rien ici. Hop, y'a pas le vase à couper en verre. Ouais, plus. Je prends tout le jeu complet. Hein. De toute façon, ouvre document. Comment je peux le faire? Ah non, bon d'accord. C'était ferme ou doucement. Il y a toujours rien. Ok. Bon après là c'est du plus. Hein. Théoriquement je suis censé juste faire ma mission. Mais bon, si on peut se faire quelques tuyaux de passage, c'est toujours bon. Voilà, hop. Sérieux, qui irait ranger une balle là quoi? Bon, enfin bref, c'est pas grave. Oh la guitare. La guitare, ça peut être très très bien ça. Vous êtes surchargé. Ok, je vais virer des choses. Je sais que la guitare coûte un paquet de pognon. Donc, qu'est-ce que je peux virer? Mais elle pèse super long la guitare en fait. Tant pis, on va virer, on va abandonner ça. Le réveil, ça me fait chier, donc on va voir. Équipement complet. Mais elle pèse 7. Oh là là. 7, ça fait 16, 7. D'accord, ok. On va virer le réveil. 7 et 7, 14, 7. Ok, donc là, je dois pouvoir la prendre. Mais elle vaut tellement de pognon que c'est ultra value, quoi. Ok, bon. Sérieux, ils ont... Bon, ok. On va faire ça. Allez, allez, allez. Ok. Ok. Maintenant, ah. Me dis pas que j'ai été vu. Hop. Allez, on casse les chiottes. Voilà. Maintenant, on se barre. De toute façon, on est full emploi. On a juste plus qu'à se barrer, quoi. Le problème c'est qu'il faut pas se revoir en se barrant. Y'a pas du fric qui traîne par là? Ça pèse combien ça? Ah oh, je peux pas, merde. Il y a une radio, il y a plein de choses. J'aimerais bien pouvoir... Bon. On va voir si je peux aller me vider dans la voiture et revenir. Après tout, y a pas non plus énormément de monde. Hop. On va attendre un peu. Putain, il n'y a qu'une personne qui peut passer, c'est là. Hop. On va attendre qu'elle passe. Il y a quelqu'un qui est en train d'arriver sur moi là. Ça me plaît pas du tout. Elle doit être derrière le mur. On va attendre, on est caché. Ah ah. Si c'est la propriétaire des lieux, ça va pas le faire. Ouais, c'est la propriétaire des lieux. On va se barrer très vite. Hop. Ok, donc là j'ai deux choses. Soit je me casse, soit je prends ma bagnole et je me casse aussi. Ah, je vais me faire choper. Je peux pas aller prendre ma bagnole. J'ai une question. Il y avait des poubelles où on pouvait se cacher par là. Je peux pas abandonner ma caisse, je suppose.
Elle est là, la poubelle. Hop, personne ne me voit me cacher. Après, on a vu, c'est bon, on n'a plus qu'à attendre. Bon, par contre, c'est sûr que c'est un petit peu long, hein, de se cacher dans les ordures. On va puer la merde après. Mais au moins, on aura fait deux quêtes. C'était de récupérer la... Comment ça s'appelle ? La super guitare de collection. Et en plus, on aura cassé les chiottes. Donc, on aura fait la mission. Bon, je vais avoir un rang pourri, donc j'aurai moins d'XP. Mais au moins, voilà quoi, c'est fait. Ok, ah bah ils ont fini. Ok, a priori je peux sortir. Hop, on va chercher la bagnole. Elle est où la bagnole? Elle est là-bas. Ok, tac tac tac, je cours, mais bon. Là 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 là, je suis le passant qui passe. On me voit pas. Ouais, je fais rien d'extraordinairement bizarre. Hop là, et on va se barrer. Ok, hop, 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 mission accomplie, cassos. Bon, par contre, c'est chiant parce qu'il y avait vraiment plein de choses à voler chez eux. Mais bon, au moins j'ai pris ce qui m'était demandé, c'est-à-dire la mission, casser les chiottes. Et surtout, la guitare. Ah oui, c'est vrai que j'ai toutes les copes en vert aussi. Donc j'ai passé un level, ça c'est cool. Bon, par contre, je suis niveau D, hein. Oh, par contre, j'ai chopé plein de trucs. For the next task, I need you to learn how to climb a lattice. Like a man spider, you know? Ok. Il va falloir que j'apprenne à grimper sur les toilettes. Comment je vais faire ça, moi? Bah, c'était ça, non? Agilité permet de grimper sur les vignes vierges. Ok, ça me fait chier parce que j'aurais préféré prendre le sac, mais bon. Ou alors, je peux prendre le sac et me dire... Pourquoi je peux pas? J'ai un point. Demander à niveau 6. Bah, je suis pas niveau 6. Ah non, je suis niveau 5. Ah, donc du coup, je serai obligé de toute façon de... D'accord, en fait, l'arbre de talent, c'est juste que dans quel ordre tu priorises de prendre les choses. Mais grosso modo, je peux pas... Ou alors, il faut que j'attende d'avoir le niveau 6. On va essayer de pas prendre l'évaluateur pour voir. Bref, on va revendre la super... Hop là, Black Ray. C'était où? C'était pas en cuisine, micro-ondes, téléphone, routeur, non, pas les pièces de voiture. La guitare Yamaha, 300$. Je pense que c'est goldé. Et ça, c'était cool d'avoir réussi. Les coupes en verre, ah bah écoute, vends, j'en ai plein. Si t'en veux, je crois même que je vais en avoir d'autres à les vendre. Ok. Bon, bah on va mettre fin à cet épisode ici. C'est déjà pas mal. Je commence à avoir pas mal de thunes. Faudrait que je voie si je peux pas m'acheter du meilleur équipement. Je vais aller vendre ce qui reste. Il me semble qu'il n'y a plus rien là-dedans, non. Hop. Je vais aller vendre ce qui reste au prêteur sur gage. Comme ça, ça sera fait. Puis mine de rien, je me suis fait. J'ai la clé de la porte du 109 et du 113. Et le 113, ils ont plein de trucs qui peuvent être sympas. Donc ça, ça peut vraiment être bien. Coup de chance, quoi. Hop. Allez, prêteur sur gage. Hop. Comme ça, on sera tout vide pour le prochain épisode. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ces épisodes vous plaisent. Moi, en tout cas, je m'amuse quand même un petit peu à faire ça. Hop là, bon, c'était pas très value, mais c'est pas grave. Au moins, je suis tout vide. Bon, il faut que je passe un niveau avant de pouvoir faire la prochaine quête. Donc, bon, on va faire le prochain épisode. Je pense qu'on va faire un cambriolage classique. Hein. On va dire ça comme ça. Mais on va déjà rentrer à la maison, voir si on peut pas s'acheter des choses avec les 1200$. Allez, bref, bye bye, mes petits amis YouTube.